aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais vous parler des 10 aliments que je vous conseille de consommer si vous voulez limiter votre acné et améliorer la qualité de votre peau. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'à la fin de cette vidéo, je vous mettrai les liens des vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne concernant l'acné et les cicatrices d'acné. Mais voilà, sachez que j'ai eu de l'acné assez sévère il y a quelques temps où j'ai fait une vidéo où j'explique comment je m'en débarrasse et la deuxième sur mes cicatrices, comment je m'en suis débarrassée. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et si vous voyez des boutons, oui, j'ai des boutons et oui, je fais une vidéo sur comment ne plus avoir de boutons. Mais c'est de l'acné hormonal que j'ai et les aliments que je vais vous conseiller vont vous permettre effectivement d'améliorer tout ça et de limiter l'inflammation, car les boutons sont principalement causés par les hormones et les inflammations. Je vais vous parler du coup d'ingrédients, enfin d'aliments plutôt, qui limitent l'inflammation de la peau. Donc c'est aussi bon pour votre corps que pour votre peau. Mais voilà, si vous avez des boutons assez rouges et qui peuvent parfois même vous faire mal, cette vidéo est pour vous. Donc les trois choses qu'on va venir chercher dans les aliments pour limiter les inflammations, ça va être le zinc, l'oméga 3 et les antioxydants. Le premier aliment que je pourrais vous recommander de manger, ce serait la tomate. Parce que la tomate est remplie d'antioxydants, ce qui limite un maximum les inflammations. Si jamais vous n'aimez pas la tomate, vous pouvez aussi vous passer de la tomate sur votre peau, ce qui limitera un maximum les inflammations. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs aussi avec des glaçons. Et les tomates sont beaucoup mieux assimilées par le corps avec de l'huile d'olive. Mon deuxième aliment, c'est pas vraiment un aliment mais ingrédient on va dire, ça va être l'huile d'olive justement. L'huile d'olive c'est comme la tomate, c'est rempli d'antioxydants et c'est ultra anti-inflammatoire, j'allais dire ultra-inflammatoire, non. Autre chose, vous avez les noix, donc vous avez les amandes, les noix de pécan, les noix de cajou, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme noix, je ne sais même plus, je suis perdue, les noisettes, voilà. Toutes les noix sont ultra recommandées car elles contiennent de la vitamine E et des antioxydants très puissants qui marchent vraiment très bien et en plus c'est vraiment bon pour la ligne, donc c'est parfait. Et ça du coup c'est pas mal à consommer. Le gras, les produits laitiers et le sucre, c'est les ennemis numéro 1 pour la peau, donc du coup il faudrait essayer de remplacer un petit peu tout ça par des choses un petit peu mieux. Et c'est vrai que pour un petit goûter, vous pouvez voilà vous faire un petit fruit avec quelques noix, ce qui est vraiment pas mal du coup pour votre peau. Et vous pouvez aussi remplacer votre lait de vache habituel par du lait d'amande ou du lait de soja, qui vraiment vont favoriser l'amélioration de votre peau. Alors un ingrédient un petit peu plus spécial, alors oui mon ordinateur, ne vous inquiétez pas si vous voyez les petits trucs apparaître. Un autre ingrédient donc du coup très spécial, ça va être le chocolat noir. C'est très important de prendre du chocolat noir et du bon chocolat noir et ne pas prendre du chocolat noir à l'orange ou du chocolat au lait, noisette ou du chocolat blanc, parce que ça vous fera l'effet contraire. Il vous faut du chocolat noir plein de bon cacao, parce que le cacao, je vais vous dire ce que ça contient exactement. Le cacao contient énormément d'antioxydants et c'est d'ailleurs un secret pour l'anti-âge. Voilà, si vous consommez 2 petits carrés de chocolat après un repas par exemple, c'est très bon pour vous, sachez-le. Et en plus, le chocolat, qui n'aime pas le chocolat c'est trop bon. Vous avez aussi les fruits rouges qui sont très bons pour vous, les framboises, c'est vraiment le top, ça coûte un petit peu cher, mais vous avez d'autres fruits rouges. Et vous pouvez aussi prendre des fruits rouges surgelés que vous ajoutez dans un smoothie par exemple, c'est super bon et en plus c'est super efficace parce que c'est rempli de vitamine C et la vitamine C c'est parfait pour votre peau. Vous avez aussi les poissons gras comme le saumon qui marche trop bien. Ça contient énormément de vitamines, c'est ultra antioxydant. Il y a des vitamines B, C, B12, énormément de vitamines différentes, c'est incroyable. Et je vous dis ça comme si j'avais pas noté ça sur mon ordinateur, mais pas du tout, tout est là. Je ne sors pas ça du fin fond de ma mémoire. Donc également un autre ingrédient pour remplacer le sucre, ça va être le sirop d'agave. Au lieu de mettre peut-être dans vos yaourts par exemple, si vous consommez encore des produits laitiers, du sucre, vous pouvez mettre un peu de sirop d'agave. Mais c'est franchement, moi je trouve ça largement meilleur que du sucre. Genre le sucre, bah c'est sucré, le sirop d'agave ça a un goût genre particulier, trop bon. Et moi j'en mets maintenant, j'en mets vraiment partout. Dès que j'ai besoin de sucrer quelque chose, je mets du sirop d'agave. Ce que vous pouvez faire également, c'est consommer du citron. Alors le consommer d'une manière particulière, tous les matins, à jeun, vous allez mettre du citron dans votre petite tasse. Et vous pouvez d'ailleurs y ajouter du curcuma et du gingembre pour ceux qui aiment. Parce qu'on peut avoir des boutons qui sont causés par le froid. Par le foie à cause de la mauvaise nourriture. Donc là ça va vraiment nettoyer le foie et donc au passage nettoyer votre peau et ça vous fera énormément de bien.
Ensuite, vous pouvez également consommer des algues. Alors, dit comme ça, ça peut faire peur à certaines personnes. Mais n'ayez pas peur, il y a quelque chose de trop trop bon que moi je vais vous recommander. Vous pouvez en consommer de mille manières différentes. N'oubliez pas qu'il y en a dans les sushis, hein. C'est ultra, ultra, ultra anti-âge. Déjà, premièrement, c'est rempli d'antioxydants, d'oméga 3, de minéraux. C'est vraiment très 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 bon pour vous. Et ce qui est trop bon, moi ce que je peux vous recommander, il y a un espèce de truc qui existe. Je me souviens, ça fait super longtemps que j'avais pas mangé d'ailleurs de ça, faudrait peut-être que j'en rachète. Mais dans les magasins bio, vous pourrez retrouver ça. C'est un espèce de pot comme quelque chose qu'on doit tartiner, comme de la pâte à tartiner. Mais en fait c'est des algues mélangées à d'autres petits trucs. Et vous pouvez vous faire des tartines de ça, mais c'est tellement tellement bon. Moi j'avais adoré et c'est vraiment très très bon pour votre peau. Et ensuite, dernier ingrédient, ça va être le brocoli qui est riche en potassium, en minéraux et en antioxydants. Encore une fois, c'est très bon pour votre peau et idéalement cuisiné à la vapeur. Donc voilà pour les 10 ingrédients, il y a juste quelque chose que je dois ajouter. La chose que vous devez absolument consommer tous les jours pour avoir une jolie peau, ça va être de l'eau. L'eau, c'est trop important. Ça l'hydrate, ça la détoxifie et ça la rend plus lumineuse. Donc c'est juste tout ce qu'on veut. Si de base vous avez des problèmes de peau, sans eau vous n'allez pas réussir à avoir le résultat que vous voulez. Même si vous n'avez plus votre acné, il faudra juste hydrater votre peau et avoir une bonne qualité de peau. Surtout si vous faites des traitements juste avant pour votre acné. Sans eau, vous n'allez pas tenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je suis beaucoup plus active que sur YouTube. J'essaie de vous poster plein de petits trucs, même pour bien manger. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos, comment améliorer son alimentation quand on aime la nourriture et qu'on a la flemme. Donc je vous mets ça juste après avec les vidéos pour l'acné. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!